Parce qu'aujourd'hui, on attend le conteneur. Ils vont venir chercher toutes nos affaires. Donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au 20, donc dans 3 jours, on va mettre là par terre et une table et 4 chaises. Chaque carton doit être correctement identifié avec tout son contenu. C'est un travail assez chronophage. Le tri des vêtements n'est pas facile non plus. Là, c'est Jean-Marie qui fait les frites, là. Oh, attention, on va être sur YouTube. Eh, porte ta prudit, tout le monde. On va être sur YouTube. Comme vous pouvez le voir, le camion est là. Donc en fait, il ne s'agit pas d'un conteneur, il s'agit d'un camion qui vient prendre des cartons, qui le prend nos affaires, en fait, qui le mettent dans leur camion. Et ça va être ensuite redispatché dans un dépôt. Et ensuite, ça va partir dans un conteneur avec d'autres personnes, puisqu'ici, il s'agit d'un groupage. Les voitures sont chargées, il y a la voiture ici, et il y a la navette là, on y va. Ouais, j'espère qu'on va arriver parce qu'ici on est bloqué sur la route, on est dans les bouchons, je sais pas ce qui se passe. Le midi est déjà sur place, elle est déjà arrivée donc... A few moments later. Avant le tunnel de Roissy, donc on commence à stresser là parce que ça fait plus d'une demi-heure, on n'a pas bougé du tout d'un poil, donc j'espère que ça va se débloquer, sinon on va rater la fin. On a dû un petit peu forcer le passage. Mais bon, on a réussi, on est à l'aéroport, donc maintenant on va vite monter pour embarquer.
C'est vraiment lent, franchement, c'est abusé. La nouvelle salle de transit qui est censée être rapide, mais qui n'est pas rapide. Un peu long, il y a trois agents pour tout le monde, ça n'avance pas depuis tout à l'heure, on bouge pas. C'est les amis qui sont venus nous chercher, qui nous logent. C'est de la famille à Nicole, ils sont vraiment trop gentils. Là, on va aller vous coucher parce qu'on est fatigué. Ouais, gentiment hébergé chez le tonton de ma Nicole. Trop gentil.